Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons résoudre cette inéquation. Donc, résoudre dans R la donc, valeur absolue de x moins x plus 2 inférieure ou égale à 2 fois valeur absolue de x moins 4. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors, en fait, il va falloir distinguer les différents cas. On va rappeler ce qu'est la valeur absolue. La valeur absolue de x, c'est égal à moins x si x est négatif et x si x est positif. Donc, valeur absolue de f de x, eh bien c'est moins f de x si f de x est négatif et f de x si f de x est positif. Donc ici, bon, la valeur absolue de x on l'a déjà. Maintenant on va étudier la valeur absolue de x moins 4. Donc d'abord le signe de x moins 4. X moins 4 égale à 0, x est égal à 4. Donc ici on peut tracer un petit tableau de signe. X, x moins 4. Donc moins l'infini, plus l'infini, 4, 0. Donc ça va être négatif, signe de A, positif, donc positif à droite, négatif à gauche. Donc valeur absolue de x moins 4, eh bien c'est égal à moins x plus 4, moins x plus 4, si x inférieur à 4 et x plus 4 x moins 4 si x supérieur ou égal à 4 x moins 4 si x supérieur ou égal à 4. Alors on va noter f de x et g de x. On va résoudre f de x inférieur ou égal à g de x. Alors f de x est égal à valeur absolue de x moins x plus 2. Alors on va donc valeur absolue de x va être moins x si x négatif et x si x positif. Donc ici on va avoir moins x plus 2 si x négatif et x moins x plus 2 si x positif. Donc ici on va avoir moins x moins 2x plus 2 négatif. X moins x 0, 2, 6. Donc g de x, ça va être égal à g de x va être égal à donc 2 fois donc moins x plus 4, moins x plus 4, si x inférieur ou égal à 4, et 2 fois x plus moins 4, si x supérieur ou égal à 4. Alors ici j'ai fait le tableau de signes. Tableau de signes, donc tableau de signes pour rappeler bon, qu'il faudra travailler sur différents intervalles, sur moins l'infini 0, donc le f de x inférieur ou égal à g de x, ça équivaut à, donc si on va prendre moins 2x plus 2, moins 2x plus 2, inférieur ou égal à, donc moins, alors ici on va compléter, moins 2x plus 8, et si 2x moins 8, si x inférieur à 4, si supérieur ou égal à 4, moins 2x plus 8, moins 2x plus 8. Si et seulement si, donc là on a même coefficient directeur, donc on peut les x, donc 2 inférieur ou égal à 8. Et ça c'est vrai pour tout x appartenant à moins l'infini 0. Donc solution. Moins l'infini 0. Sur donc maintenant 0, 4. 0, 4. Donc ici, on va avoir 2 inférieur ou égal à moins 2x plus 8. Donc ici, 2x inférieur ou égal à
8 moins 2, 2 moins 8, 2 moins 8, 6. Donc x va être inférieur ou égal à 3. Donc les solutions ici, f de x inférieur ou égal à g de x, solution 0, 3. Et sur 4 plus l'infini, 4 plus l'infini, on va avoir 2 inférieur ou égal à 2x, 2x moins 8. Donc, si on passe de l'autre côté, 10 inférieur à 2x. Donc ici, x va être supérieur ou égal à 5. Donc solution 5 plus l'infini. Conclusion, la solution c'est moins l'infini 0, union 0, 3, union 5 plus l'infini. Ou encore, moins l'infini 3, union 5 plus l'infini. Et on termine donc cette vidéo en montrant donc graphiquement ce que ça donne. Ici, ça c'est f et ça c'est g. Donc c'est vrai sur l'intervalle moins l'infini 3, 3, ici 3 ici 5 plus l'infini. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CVMath. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.